C'était l'allemande de la première suite de Johann Sebastian Bach. Je vous pose une question tout à l'heure, Hector Balck, sur vos goûts musicaux. Et vous me disiez, vous avez vu que j'ai fait un travail particulier sur la musique. Oui. Et là, je me suis rendu compte que je ne m'en étais pas aperçu. Moi, je n'aime pas la musique dans les documentaires. Quand elle est là pour, si vous voulez, pour... j'ai pas besoin de musique quand je parle. Par contre, c'est embêtant quand j'arrête de parler qu'il y ait de la musique, parce que ça fait tout de suite vide culturel. Oui, ça fait un peu cultureux. Donc il faut qu'il y ait quelque chose. Mais comme la musique, je vais pas mettre même le son de la mer parce que je filme une marine, je mets de la musique. Et au lieu de faire en sorte que la musique illustre le tableau, je préfère que la lustre illustre mon propos. C'est-à-dire, et mon propos, pas au sens de ce que je dis, mais au sens syntaxique. Quand vous parlez, il y a un moment où vous dites « regardez ». Quelque part, c'est sous-entendu de dire le mot « regardez ». Et puis, tant que vous avez fini ce que vous avez à dire, vous allez regarder encore, profiter. Ah là, tout d'un coup, c'est très agréable. Ah, et puis d'un coup, on s'arrête et on dit « ouais, c'est ce que je voulais dire ». Et même quand vous avez une note d'humour, si vous mettez un peu de musique, vous allez trouver le point d'exclamation que la musique va traduire. Et j'ai trouvé ça chez Bach. Parce que Bach, c'est un des rares musiciens, c'est aussi le cas parfois de Mozart, en tous les cas, c'est ça, non pas le cas de Schubert ou de Beethoven, à savoir faire des mélodies qui durent 24 mesures. Dans les suites pour violoncelle de Bach, c'est une mélodie extrêmement longue, si vous voulez. Elle, avant qu'elle soit reprise, elle peut bien faire 22, 24, 28 mesures. Et je prétends que quand vous divisez ces mesures et que vous y allez par petits bouts, je fais écouter l'allemande de la 2. Donc l'allemande, c'est le mouvement en général lent de la deuxième suite de Bach. Et là, on l'écoute sur un téléphone portable, hein, ouais. Pour la démonstration. Oui, c'est ça. C'est totalement inaugural. Ta-ta-da. Je chante faux, mais c'est pas grave. D'ailleurs, on comprend le principe, oui. Je pense que c'est parce que je chante faux que je suis fasciné par la musique, c'est un autre point. Et là, je laisse évaporer le son. Je vous le refais. On est comme ça. Ça, c'était une deuxième version avec l'accord. Tout d'un coup, là, ça invite à ce que je dise quelque chose. Ta-da, ta-da-da. Bon. Et du coup, je parle. Et puis, il va y avoir la mélodie de ce qui va se passer, qui va se dérouler. C'est une micro-mélodie à l'intérieur de la longue mélodie de Bach. Elle a une force expressive extrêmement grande quand vous la prenez toute seule. J'aurais pu prendre un disque et chanter le son. Mais c'est dégueulasse de chanter le son. Parce que moi, ce que je veux, c'est qu'il y ait 4-5 secondes de son qui s'évapore. Si je ne peux pas, parce que je vais avoir... Normalement, après, il y a la mesure suivante. Enfin, on va passer à la mesure 2 à 3 et 3 à 4, etc. Donc, je ne peux pas. Donc, je demande, et c'est un morcellement incroyable, je demande à morceler la musique. Et je prends les partitions et je demande à mon virtuose qui s'appelle Raphaël Perrault, qui est super soliste à l'Orchestre National de Radio France, de voir comment est-ce qu'on va pouvoir diviser le truc. Parfois, on discute. C'est super sympa. Et là, cette phrase-là, évidemment, elle... Deuxième fois, et là, elle va se résoudre dans la phrase suivante. Papa, 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 papa. Et là, évidemment, ce truc-là va revenir. Et tout d'un coup, je suis censé déjà, au niveau de mon commentaire, avoir dit une première chose. Si d'un coup, vous continuez la mélodie, vous allez avoir comme des points d'exclamation, des points d'interrogation, des interjections. Et des moments qui signifient quelque part, tiens, maintenant, je vais pouvoir bicher. Vous voyez, je biche, j'adore cette expression, je biche, je prends mon plaisir. Et j'ai eu un plaisir incroyable à redécouvrir, si vous voulez, les suites de Bach en les morcelant. De même que je morcelle plus ou moins la peinture. Des gens me disent, tu as osé couper Bach, saucissonner Bach en rondelles carrées. Je dis, mais j'ai bien fait la même chose pour Titien. On l'a aussi saucissonné. Et comme j'estime que la partie d'un tout est un tout dans des grandes œuvres d'art, comme, si vous voulez, les objets sur la table d'un tableau d'histoire peut être aussi une nature morte, j'estime que dans la musique, on y gagne à. Et donc, finalement, là, dans la série, je fais une série là, sur Michel-Ange qui va sortir en janvier et février sur Arte. Ils ont changé les horaires maintenant, je crois que c'est à midi et demi tous les dimanches. Là, j'ai poussé l'ambition musicale beaucoup plus loin, c'est-à-dire que vous avez la sarabande ou l'allemande, ou le prélude en entier, morcelé évidemment, mais en entier quand même, qui fait qu'à chaque fois que la musique s'arrête, on a envie de savoir la suite, de même qu'on a envie de savoir la suite de mes propos. S'entrecroise ainsi un discours dialectique avec un discours musical. Et à la fin, on a, et bon, j'estime finalement que mon film sur Michel-Ange,
il est aux trois quarts sur Michel-Ange, il est un quart sur Bach. En tous les cas, j'ai tenté de donner mon amour, de faire livrer ma passion de la musique de Bach, dans laquelle je suis beaucoup moins connaisseur que dans la peinture, bien sûr, en faisant comme ça. C'est ainsi que Zacharie, placé à l'entrée de la chapelle, semble à la recherche d'un texte dans le livre qu'il feuillette. Son visage est plus nettement plongé dans l'ombre que dans le dessin préparatoire. Et c'est ainsi que la jolie Sibylle de Delphes, dont la mine et la pose rappellent quelques madones michel-angelesques, déroule un long rouleau de parchemin qu'on appelle un phylactère, tout comme Joël qui préfère tenir le dit phylactère à l'horizontale. Joël, dont le visage serait, par ailleurs, et peut-être, celui d'un architecte concurrent de Michel-Ange, Bramante. Quant à Isaïe, dérangé dans sa lecture par un enfant qui lui fait de grands signes, il a pris soin de marquer du doigt la page à laquelle il s'est arrêté. Ézéchiel apparaît ici comme un personnage énergique et peut-être colérique, et la Sibylle le cume comme une vieille femme à côté de qui Hercule pourrait passer pour féminin. On aura bien compris que tout l'intérêt de cette galerie de portraits n'est pas dans l'érudition qu'elle peut susciter. Je ne sais pas plus qui est la Sibylle de Cume que vous, mais plutôt dans la fantaisie dont l'artiste a fait preuve pour trouver 12 manières différentes de mettre en scène à chaque fois un personnage assis aux prises avec un objet de lecture. D'où l'invention selon laquelle la Sibylle de Perse serait myope et bossue, de sorte qu'elle ait le nez plongé dans son livre, et selon laquelle le jeune prophète Daniel serait studieux, prenant des notes de sa main droite sur un pupitre, tandis qu'il tient son volume ouvert de la main gauche, volume que soutient un poteau dans une pose qui n'est pas sans rappeler celle de cet Ignudo.